bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur ce concert de la chorale des compères au profit de Mission Enfance, un concert qui a eu lieu ce lundi dans la cour d'honneur du Palais Princier. La suite de la programmation du Fort Antoine dans la ville, Alexandra Pagny vous en dira plus sur cette pièce « Les aveugles » de Maurice Maeterlinck par la compagnie 3630. Et enfin, coup de projecteur sur cette exposition à la Galerie L'Entrepôt. Gérald Foltet nous emmène dans son monde imaginaire avec le code et la vie à découvrir jusqu'au 22 août prochain. Et nous débutons donc ce journal en musique avec ce concert au Palais Princier au profit de Mission Enfance. La chorale des compères a donné un récital dans la cour d'honneur. Vous allez le voir, une chorale assez spéciale. Le reportage de José Sacré. Sur la place du Palais Princier, lundi 21 juillet vers 21h, on pouvait croiser des écrivains, des journalistes, des diplomates, des PDG de grandes entreprises, Madame Chirac, Monsieur Masseron et Madame, et des anciens ministres. Quelle est la raison de votre présence ici ce soir ? J'accompagne ma femme qui chante. Voilà. Et puis, pour dire les choses, c'est aussi le soutien à une œuvre caritative, parce que ces manifestations-là sont destinées à les financer. Ces personnalités accompagnaient pour la plupart leurs conjoints ou conjointes, membres de la chorale des compères, qui donnaient un concert exceptionnel dans la cour d'honneur du Palais Princier, en présence du prince souverain. L'idée est venue de Mario Colaiacovo, qui était le directeur financier de la SAGEM, qui, entendant chanter Anne-Marie Raffarin, a eu cette idée de créer une chorale composée de conjoints de personnalités. Donc nous avions Anne-Marie Raffarin, nous avons Sophie Devedjian, nous avons des femmes d'ambassadeurs, de PDG, des gens d'univers très différents. Caroline de Carolis, France Duhamel, femme d'Alain. Et nous nous retrouvons tous les jeudis. Alors l'originalité, c'est que la plupart de ces gens ne connaissent pas la musique. Ce sont vraiment des amateurs. Mais on a beaucoup de passion, on forme un groupe on s'aime tous beaucoup et on se réunit tous les jeudis à la salle Gaveau et en principe on donne un ou deux concerts par an, toujours à but caritatif. Cette soirée au profit de l'association Mission Enfance a été organisée à l'initiative de Madame Patricia Husson, vice-présidente, et de l'association France Monaco. Mission Enfance est une association, une ONG monégasque qui existe déjà depuis 23 années. Nous avons pour but d'aider à la scolarisation des enfants qui sont dans des pays qui ont été touchés par la guerre, par des désastres économiques ou simplement par la pauvreté. Nous sommes présents dans une dizaine de pays dans le monde. Nous avons des coordinateurs locaux dans chacun de ces pays qui sont un petit peu la courroie de transmission entre le siège social et donc notre équipe dirigeante à Monaco et donc les missions les projets que l'on réalise sur place. Donc on fait également du parrainage scolaire, construction d'écoles, formation d'enseignants. Et donc c'est très divers et on s'adapte un petit peu aux spécificités et besoins locaux. Nous travaillons beaucoup en ce moment, nous faisons beaucoup d'aides d'urgence. Nous essayons de donner des tentes, de donner de la nourriture aux familles syriennes réfugiées au Liban, par exemple dans la plaine de la Beka. En Irak, nous essayons de soutenir aussi, enfin nous soutenons les familles qui ont fui lors des derniers événements et qui remontent vers le nord de l'Irak, vers le Kurdistan où ils sont accueillis. Et en Syrie même, nous travaillons à Damas pour les enfants qui sont blessés de guerre ou qui ont tout perdu ou qui se retrouvent un peu disséminés sur le territoire aussi syrien. Et ça, c'est la principale cible que nous avons aujourd'hui. Avec à côté des constructions d'écoles en Afghanistan, nous soutenons des centres de lutte, d'accueil pour enfants, des ludothèques en Colombie, pour lutter contre la violence en Colombie. Nos projets sont toujours, de toute façon, concernent toujours l'éducation et l'enfance. La star mondiale de l'opéra, infiniment sympathique et toujours généreux, Ruggero Raimondi, a participé à cette soirée en interprétant quelques mélodies napolitaines et un extrait de Carmen. Oh!
même mettre à disposition ma voix pour des choses qui font du bien à beaucoup d'enfants. Et j'ai toujours fait et je ferai encore. Le président du Conseil national a tenu à réunir la presse ce mardi afin d'évoquer plusieurs sujets d'actualité. Laurent Nouvion est tout d'abord revenu sur les relations avec le gouvernement princier. Il a également évoqué plusieurs dossiers, notamment le logement, le budget rectificatif et la prochaine réunion mixte qui portera sur les questions européennes. Le gouvernement a tenu de son côté à réagir par un communiqué exprimant ses regrets s'agissant de critiques non fondées. Il y rappelle également qu'il s'attachera à privilégier le dialogue et l'information préalable plutôt que la confrontation. Un mot de culture à présent avec le Fort Antoine dans la ville qui accueillait lundi soir la compagnie 3630 pour une réinterprétation de la pièce de Maurice Maeterlinck, Les Aveugles. Alexandra Pagny était présente, voyez son reportage. Ce sont elles les véritables protagonistes de la pièce. Ces 13 marionnettes sont au centre de cette intrigue angoissante et perturbante. 6 hommes et 6 femmes, aveugles, sont abandonnés au cœur d'une forêt. Ils attendent le retour de leur guide, le prêtre de l'hospice. Mais seuls les spectateurs comprennent que le prêtre ne reviendra pas. Il est mort adossé à un arbre au milieu d'eux. Durant près d'une heure, les 4 comédiens donnent vie à ces marionnettes pour adultes, comme les appelle Bérangère Ventusseau, à l'origine de cette mise en scène originale. C'est une sorte d'allégorie, de métaphore du moment où on se retrouve face à sa propre mort. Et puis je pense que c'est aussi une pièce qui, en tout cas, moi, m'a parlé de la question de Dieu. Et donc le prêtre, c'est un peu la figure de Dieu parmi les hommes. Et qu'est-ce qu'on est s'il n'y a plus Dieu ? Quelles sont les relations qu'on a aux autres, les relations qu'on a à nous-mêmes, et puis qu'est-ce qui se passe face à la mort si on part du principe, enfin en tout cas si on part du doute qu'il n'y a pas forcément de vie après la mort, ni de rédemption, ni de paradis, ni tout ça. Donc c'est en fait une pièce qui, l'histoire en elle-même, elle n'est pas très importante. Ce qui est important surtout, c'est de créer l'atmosphère qui va permettre aux spectateurs d'entendre que tout ça est en fait une grande métaphore sur la question de l'être et de notre présence ici et de notre capacité à être avec les autres aussi. Qu'elle est à côté de nous aujourd'hui. Je n'aime pas l'entendre de près. Moi non plus. D'ailleurs, nous ne demandons pas à sortir de l'hospice. Nous ne sommes jamais venus jusqu'ici. Les aveugles sont plongés dans l'obscurité, ils cherchent à se rassurer au milieu des bruits de la nature, expriment leurs peurs mais aussi leurs inquiétudes face à la mort. La mise en scène joue sur des tonalités sombres, des bruits inquiétants. Le cadre du Fort Antoine permet au public de s'immerger avec les marionnettes dans cette forêt lugubre. Je donne la voix à plusieurs personnages d'aveugles qui sont incarnés par des marionnettes. Alors d'une certaine manière, oui, je joue plusieurs aveugles, mais ma présence, c'est surtout celle de ce que l'auteur appelle une servante attentive. C'est-à-dire qu'à la fois, on manipule ces marionnettes, mais on est aussi à leur service, à la fois pour leur donner la voix, mais aussi pour figurer ce qu'on pourrait imaginer comme des forces qui les entourent et qui agissent sur leur existence, puisque c'est une pièce symboliste où tout est un petit peu à double sens, et notre présence d'acteur sur scène, elle est aussi à double sens, au service des marionnettes pour leur donner le texte, pour traduire ce qu'elles ont dans la tête et le faire entendre, et aussi pour figurer ces forces immatérielles qui nous animent, en fait, qui animent nos vies. Maurice Maeterlinck souhaitait supprimer l'acteur de la scène et préconisait de le remplacer par un androïde représenté ici par des marionnettes. Après la représentation, le public était invité à découvrir de plus près les héros de cette pièce, troublants et empreints de réalisme. Et prochain rendez-vous du Fort Antoine dans la ville, lundi 28 juillet à 21h30 avec Yvonne, princesse de Bourgogne, interprétée par la compagnie Narcisse. On reste dans le domaine de la culture avec cette exposition de Gérald Foltet à la galerie L'Entrepôt. À travers le code et la vie, l'artiste nous emmène dans son monde imaginaire. Vanessa Dessy vous en dit plus.
passer du rêve à la réalité dans le but de fédérer son public, une véritable ambition pour Gérald Foltet. Cet artiste français est animé par la passion de l'art, une ferveur qui finalement détermine ses choix et son parcours. Chaque peinture correspond à une heure de la journée et reprend en miroir la composition sous forme d'une photo, jouant sur l'effet recto-verso. Durant 2 années, Gérald Foltet travaille sur des thèmes liés à la littérature, l'infini et la beauté des femmes. Je suis intéressé par la féminité et surtout par la féminité d'avant-guerre, qui correspond à une époque en fait, où on aimait la femme dans son ensemble et pas seulement dans son paraître. Il s'avère que dans cette période, le canon de la beauté féminin mettait en valeur les formes de la femme, qui est l'inverse en ce moment puisqu'on va plutôt vers quelque chose d'anorexique. Mes influences sont très vastes. En fait, elles sont tout ce qu'a imprimé mon cerveau depuis que je suis capable de voir, d'entendre, de sentir. Donc, je n'ai pas d'influence proprement parlée. Il y a sans doute des artistes ou des écrivains qui m'ont marqué plus que d'autres. Mais je laisse ça dans un vaste ensemble relativement flou. L'exposition traite également un autre sujet pour le moins complexe, celui du codage. L'artiste se plonge dans des œuvres littéraires, comme par exemple cette installation, qui fait partie d'une série sur des écrivains tourmentés. Ce tableau reproduit le texte complet du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ces 6 tableaux, quant à eux, évoquent la mémoire de l'art en retranscrivant les photographies par le codage informatique. Grâce à la collaboration de la galerie L'Entrepôt, cette exposition est née du hasard et d'une belle rencontre. C'est une rencontre hasardeuse et qui finalement a amené à cette exposition. On a de la chance, Gérald Foltet habite Grasse, son atelier est à Grasse. Et c'est beaucoup plus facile. Mais je crois que c'est important, ce qui a amené l'exposition au-delà du site géographique, c'est que quand je suis arrivé dans son atelier, et là où j'ai vu ses œuvres, immédiatement, j'ai eu une vision, que je ne savais pas encore qu'il partageait probablement en partie, c'est que je me suis dit, mais je suis dans les leçons de musique de Pierre Boulez. C'est vraiment extraordinaire. Et dans ces leçons de musique, Pierre Boulez dit « J'utilise pour créer les matériaux de l'époque, de maintenant. » Et c'est comme ça qu'il est venu à l'ordinateur pour faire ses créations. L'exposition est à découvrir jusqu'au 22 août prochain à la Galerie L'Entrepôt. Et sachez que les œuvres seront également visibles à partir du 11 mai 2015 à Cannes, à l'espace Miramar. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en Principauté. Je vous propose à présent de découvrir la météo pour les prochains jours. Le temps sera partagé entre nuages et éclaircies mercredi, peu de vent et des températures logiques pour la saison. Il fera 22 degrés le matin et 27 l'après-midi. Même cas de figure jeudi avec un temps calme, modérément chaud. Les nuages se feront plus discrets en fin de semaine, laissant place à un beau soleil. Le thermomètre grimpera jusqu'à 27 degrés samedi. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez les sorties cinéma de la semaine sélectionnées par José Sacré. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.